Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver ce soir. Du très beau temps de prévu pour ce week-end prolongé, avant une dégradation pour le début de semaine prochaine. On fait le point sur l'image satellite avec cette trace frontale qui évolue dans le sud-est de la zone. Elle va nous concerner à partir de lundi. Une petite dégradation est prévue. Pour l'instant, ça reste bien dégagé avec une masse d'air sèche pour le département. Donc pour la nuit prochaine, tous les nuages du jour vont rapidement se désagréger. On va pouvoir donc observer cette lune gibbeuse et décroissante. Et dans la continuité, demain matin, une très belle matinée qui s'annonce. Tous les défilés, toutes les commémorations auront lieu sous le soleil. Il faut en profiter puisque ça va changer dans l'après-midi. Un peu plus de nuages, un peu plus de pluie qu'aujourd'hui d'ailleurs. Des nuages qui vont rapidement s'emparer de l'ensemble des pentes, des plaines, surtout d'ailleurs des hauteurs du nord, du nord-ouest, avec des débordements nuageux essentiellement prévus vers le nord du département. Alors partout ailleurs sur le littoral, ce sera quand même très ensoleillé, y compris d'ailleurs vers le volcan. Dans tout ça d'ailleurs, les plus hauts sommets profiteront aussi d'ailleurs d'un ciel bien dégagé. Le vent reste présent, plutôt modéré, avec des pointes entre 40 à 50 km/h. La mer sera surtout agitée sur le sud de l'île, en présence d'une houle d'Alizé, d'une houle australe. Partout ailleurs, elle sera peu agitée, voire d'ailleurs plutôt belle. Les températures pour la nuit restent assez fraîches, avec 7 petits degrés au volcan, 8 à 14 dans les cirques, jusqu'à 20 degrés sur le littoral. Puis pour les maximales, les valeurs sont au-dessus des normales saisonnières. Elles se réchauffent très rapidement avec l'ensoleillement. 24 à 25 degrés dans les cirques et jusqu'à 29 degrés sur l'ensemble de la bordure côtière. Les tendances donc pour les prochains jours, eh bien une petite dégradation donc prévue à partir de lundi. L'amplitude de température sera assez marquée, très fraîche pendant la nuit, très chaude en journée. Nous aurons toujours un petit vent de sud-sud-est qui sera assez sensible. Rien à signaler côté mer. Demain, donc vendredi 11 novembre, ce sera l'armistice. Le soleil se lèvera à 5h32 et se couchera à 18h32. Excellente soirée à tous sur Réunion la Première et à très vite.